Le Gala Pulsar de la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler est une présentation de la pharmacie Jean Coutu, Michel et Terry Wittem de Chandler. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 23e soirée des Pulsars. Mon nom est Tristan Fraud, président et directeur général de la manufacture Pulsar Incorporated Factory, fièrement établie en 1911. Nous sommes vraiment heureux et honorés d'être ici avec vous ce soir afin de vous présenter notre usine à la fine pointe de la technologie. Je me présente, Simon Wittem, directeur adjoint à la production. Bonjour. Hi. Chloé Bouchard, Chloé Butcher. Butchered. Chloé Butchered. Première femme à devenir ingénieure-chef en Amérique du Nord. First woman to become chief engineer in North America. Inutile de vous dire que je suis aussi la première femme à avoir gradué de l'Institut des technologies de Cambridge.
No use to inform you that I am also the first woman to graduate from Cambridge Technologies Institute. Finally, je viens tout juste de recevoir une mention honorifique du Collège des avancements avancés à venir des technologies de pointe. I just received an honorific mention from the Advanced Advancement to Advanced Technology. Sans oublier, et ça je ne traduis pas, mon certificat de compétence de chez Fabrication Métal Georges Beaulieu et Fils de Causatical. Wow! Incroyable! Maintenant, vous vous demandez sûrement ce qui se passe derrière nous. Eh bien, il s'agit de la section d'assemblage et de finition de la manufacture Pulsar Incorporated Factory. Notre superbe usine qui, cette année, s'est vu octroyer le contrat de production de notre offre Pulsar. Comme vous vous en doutez sûrement, la mécanique industrielle de la fine pointe de cette usine requiert de constants ajustements, de beaucoup de rodage, de beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières, et de milliers de pièces qui baignent dans l'huile. Ça, c'est le progrès. D'ailleurs, grâce à l'expertise de notre équipe d'ingénieurs sous mes judicieux conseils, nous avons réussi à atteindre un rendement optimal. Wow! Quand même pas pire. Félicitations à nous autres. Ouais. Comme vous le savez, depuis 1911, cette entreprise qui n'avait l'air de rien à l'époque, cette petite usine de bouts de gomme qui fabriquait de vulgaires épingles à linge, de banales barrettes pour femmes, bref, d'insignifiantes babioles, a su déployer ses ailes pour devenir un magnifique signe, un chef-d'œuvre de l'industrie, un joyau de l'économie de notre paroisse, même du grand comté de Gaspé. Prenez par exemple notre dernière création, la superbe croix d'or de la cathédrale de Rimouski. Ah ouais, celle-là. Vous savez, c'est gros, Rimouski. C'est progressiste, Rimouski. La métallurgie n'a plus de secret pour nous. Demain, j'entrevois un avenir fleurissant pour Pulsar Incorporated Factory. Qui sait, peut-être qu'un jour, grâce à nous, atteindrons-nous la Lune? Explorerons-nous Mars? En effet, nos ouvriers et ouvrières de la manufacture Pulsar Incorporated Factory travaillent d'arrache-pied afin d'atteindre leurs objectifs de production. Soulignons leur rythme effréné qu'ils ont dû adopter afin d'y parvenir. Hé, regardez cette merveille! Il est moulé, sculpté, sablé, peint, emballé, poli... OK. T'es sûr, je peux pas juste le prendre? Non. Je reviens ici. Vraiment pas. Vas-y. Bref. Notre usine est bien rodée et pourra remettre les 50 trophées qui seront remis à nos braves élèves méritants. Oui. Nous tenons à remercier chaleureusement notre expert conseil qui fut d'une grande aide à la conception, à la création, au moulage et au procédé de fabrication de ces magnifiques boules clignotantes de nos précieuses récompenses. Notre président d'honneur, M. Hugo Saint-Laurent. Également ingénieur. Également ingénieur, que je vous demande d'applaudir. On aime les applaudissements. Yes. Monsieur Hugo Saint-Laurent, vous êtes où? Je vous invite à venir visiter l'usine un peu plus tard dans la soirée. Un merci spécial et special thanks à tous nos dignitaires présents ce soir. Very nice. Eh bien, chers collègues, je vous invite à retourner à vos postes. Nous devons débuter la distribution des trophées Pulsar. Super. Let's go. Le micro. Du haut de ses 6 pieds 5, le surintendant de la manufacture Pulsar Incorporated Factory veille au bon fonctionnement et de nos opérations et à l'atteinte... Oh, sur le X. Comme ça, c'est bien? Ah, il est super. Bon, de nos opérations afin d'obtenir l'atteinte des objectifs de production des trophées. Accueillons maintenant sur scène M. Jasmin Henault. Plaisir. Merci. Je suis vraiment content de vous voir, tout le monde, ici ce soir. C'est vraiment...
incroyable de commencer notre gala Pulsar dans notre salle de spectacle. Et là, j'attends mon texte qui va arriver bientôt sur l'écran, que je n'ai pas encore appris par cœur. Je m'excuse, j'ai mon papier ici. Jacques, est-ce que je sors mon papier ou si... Il est en haut, là-bas. Oui! Je pensais que tu m'avais dit. Non! Non, mais j'ai 56 ans aujourd'hui. On va le pardonner parce que c'est sa fête aujourd'hui. OK, donc bonsoir tout le monde. Je tiens tout d'abord à dire bravo aux 108 élèves en nomination. Vous savez, le simple fait d'être ici est déjà un accomplissement en soi. Donc, bravo à tous les étudiants. Merci à notre président d'honneur, Hugo Saint-Laurent, d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais saluer les membres de notre conseil d'établissement et M. Nicolas Tchernov, le représentant du Centre de services scolaires René Lévesque, qui sont présents parmi nous ce soir. Un grand merci aussi également à tous nos partenaires, aux membres du comité organisateur qui ont contribué à la réalisation de cette soirée et un retour dans notre belle salle de spectacle après 2 ans d'absence. Aux commanditaires qui croient à la persévérance, au succès et au dynamisme de nos élèves, aux membres du personnel de Mgr Sivigny et à Nadine Savage et aux membres du personnel d'Evergreen High School qui sont nos complices dans l'organisation du gala. Merci. Vous savez, ça fait longtemps qu'on fait le gala Pulsar, ça fait au-dessus de 20 ans, et d'une année à l'autre, nous ne pourrions pas offrir aux élèves cette merveilleuse soirée sans le travail de plusieurs artistes et artisans. Je vous invite à consulter le programme de la soirée pour en savoir plus. Je suis fier de vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée et bon gala Pulsar. Merci beaucoup, M. No. Ce duo engagé est formé de 2 élèves de secondaire 4 qui n'ont pas une minute de libre. En effet, elles sont toutes 2 des participantes très actives de la vie étudiante et sont les 2 gagnantes de la finale régionale du concours de prise de parole publique de l'espace René Lévesque. Accueillons notre premier duo de la soirée, Emma Puget et Léane Leblanc, pour présenter le Pulsar dans la catégorie fraternité. Ces prix sont offerts par l'ADJ de Chandler, l'ami de jeunes et le motel Fraser. Bonsoir. Donc, pour commencer la soirée en beauté, voici les élèves en nomination dans la catégorie fraternité secondaire 1. Michael Desniaux. Angélie Dunn. Va chercher le poussin. Et Amy-Ève Grenier. Et le ou la gagnante est... Bon. Amy-Ève Grenier! Dans la catégorie Pulsar Fraternité secondaire 2, Nicolas Chédard. Adama Marika Langlois.
ainsi que Chloé Wenner. Le ou la gagnante est Adama Marika Langlois. Dans la catégorie Pulsar Fraternité secondaire 3, les élèves en nomination sont... Rosalie Blanchette! Zach Montmagny! Et Frédéric Roussy. Et le ou la gagnante est... Zach Montmagny. Prochaine prise sont offertes par le club optimiste de Pabo, de Pabomise, Dr. Julien Gauthier. Dans la catégorie Fraternité secondaire 4, les nominés sont... Pas la bonne diapo. Ces prix sont offerts par le club optimiste de Pabomise et Dr. Julien Gauthier. Raphaël Duguay. Elliot Hardy. Et Nicolas Traverse. Et le ou la gagnante est... Elliot Hardy. Dans la catégorie Pulsar Fraternité secondaire 5, les élèves en nomination sont... Chloé Bouchard. Samuel Lavoie. Et Simon Whitom. Le ou la gagnante est... Simon Whitom! Merci beaucoup et à plus tard. On vous revoit. Apparemment très doué, en arts plastiques, notre prochain présentateur aspire à devenir enseignant de sciences. Il rêve d'être payé pour parler. Une profession parfaite pour lui. Sa partenaire de scène, quant à elle, du haut de ses 5 pieds, se passionne pour la biologie humaine et la conversation. Accueillons maintenant sur scène Elliot Hardy et Marie-Lie Bourgette pour présenter les plus sorts dans la catégorie « Sens de responsabilité ».
des prix sont offerts par la pharmacie Jean Coutu et Sylvain Roy, député. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour poursuivre cette belle soirée, nous allons vous présenter la catégorie « Sens des responsabilités ». Pour les élèves de secondaire 1, les nominés sont... Anaëve Alain. Loïc Desbois. Et Anilou Mimo. Le gagnant est Anilou Mimo. Catégorie Pulsar, sens des responsabilités secondaire 2, les nominés sont Lily Rose Baudin Germain, Kimberly Follum Savoie. Et Marie-Lou Jonca. Et la gagnante est Lily Rose Baudin-Germain. Pour les élèves nommés dans le sens de responsabilité secondaire 3, les nommés sont Léa Croteau, okay. Thomas Fro, et May Lachève. Le gagnant est May Lachève. Les prochains prix sont offerts par le bar laitier Croque-Mitaine et Ciment Mécanis. Dans la catégorie Pulsance, sens des responsabilités, secondaire 4, les élèves en nomination sont... Daphné Brousseau. Amélie Huard Leblanc. Et Alex Parizé. Et la gagnante est Amélie Huard Leblanc. Thank you.
maintenant... Et maintenant, pour les pulsars sens des responsabilités secondaires 5, les élèves en nomination sont Chloé Bouchard, Simon Lantin, et Marie-Laurence Swinney. Le gagnant est Simon Lantin. Outre le tréma dans leur prénom, nos prochaines présentatrices partagent un intérêt très prononcé pour les arts. L'une pour les arts de la scène et l'autre pour les arts visuels. Accueillons maintenant sur scène Maïka Oulav-Lafki et Maïna Bois pour présenter les plus sorts dans la catégorie Les Audacieux. Suivants sont offerts par le marché IGA et le conseil d'établissement de la polyvalente Monseigneur Sévigny. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, nous allons vous présenter les pulsars dans la catégorie audacieux. Dans la catégorie pulsars audacieux, premier cycle modifié, les élèves en nomination sont Michael Blais-Langlois, Logan Derion, et Ryan Nicolas. Le gagnant est Ryan Nicolas. Dans la catégorie pulsar audacieux formation préparatoire au travail, les élèves en nomination sont Marika Englehart, Thalie Beauchamp-Follum et Samuel Larocque. La gagnante est Thalie Beauchamp-Follum. Les suivants sont offerts par la Conception Navale FMV et le Cinéma Paradiso. Okay. Dans la catégorie Pulsar audacieux, formation métier semi-spécialisé, les élèves en nomination sont Jennifer Blais-Langlois, Léa Cormier, et Marc-Anthony Laplante.
Et le gagnant ou la gagnante est Léa Cormier. Dans la catégorie Pulsar Audacieux Prédep, les élèves en nomination sont Sean Huard, Derek Parizeux, et Anthony Poitras. Le gagnant est Anthony Poitras. Donc, maintenant, vous vous demandez sûrement comment nous procédons à la sélection des élèves en nomination. Sachez qu'il y a un processus rigoureux. En effet, une journée entière est consacrée à la réalisation de ce processus. Tout d'abord, les enseignants sont invités à remplir un questionnaire électronique afin d'effectuer une présélection des élèves dans chaque catégorie. Par la suite, une réunion par niveau est organisée pendant laquelle les enseignants discutent et regardent les dossiers de chaque élève. Sont également pris en considération les points grand V reçus durant toute l'année. Tout ceci se déroule sous l'œil vigilant de M. Daniel Lambert et Mme Émilie Doiron. On a ici une vidéo qui présente. Donc, nos prochains présentateurs se distinguent chacun par... Alex. Maintenant, ça, c'est fini. Nos prochains présentateurs se distinguent chacun par une caractéristique bien à eux. Notre premier surnommé, le Pinch, a longtemps abordé la moustache qui, malgré lui, alors que notre deuxième semble avoir horreur des lacets attachés. Accueillons Nicolas Traverse et Marianne Couture pour présenter les plus sorts dans la catégorie Engagement. Les prix suivants sont offerts par la MRC du Rocher-Percé et le CGE Emploi du Rocher-Percé. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ouais, ça va bien. pour débuter, prochainement, dans la catégorie Pulsar Engagement secondaire 1, les élèves en nomination sont... Aiden Kane Moreau. Mathis Kane Moreau. Et Étienne Goyette. Et le gagnant est... Étienne Goyette. We'll be right back.
catégorie Pulsar Engagement secondaire 2, les nominés sont... Nolan Cyr. Laurie Alex O'Connor. Louis-Félix Proulx. Et là où la gagnante est, Laurie Alex O'Connor. Poursuivre dans la catégorie engagement secondaire 3, les élèves en nomination sont Maëlie Langelier, Rosalie Lelièvre, et Allison Sweeney. Et la gagnante est... Marie Langelier. Sont offerts par Dr. Mike Langlois et UR Électrique. Dans la catégorie Pulsar Engagement secondaire 4, les nominés sont Daphné Brousseau, Élie Chrétien, et Alex Pariser. Et le ou la gagnante est... Élie Chrétien. Dans la catégorie Engagement secondaire 5, les élèves en nomination sont... Julianne Grant. Simon Lantin. Et Marie-Laurence Sweeney. Le gagnant ou la gagnante est Marie-Laurence Sweeney. Toutes deux déterminées et n'ayant pas la langue dans leur poche, elles aiment partager leur point de vue. Accueillons pour une deuxième fois Marie-Lie Bourgette et Maïna Bois pour présenter les Pulsars Involvement and Fraternity, je ne sais pas si je l'ai dit bien, d'Evergreen, ainsi que les Pulsars dans la catégorie Complices. Ces prix suivants sont offerts par Evergreen High School et Montgéfort.
Rebonsoir tout le monde. Dans la catégorie Pulsar Involvement Evergreen High School, les élèves en nomination sont... Jean-Raphaël Baudin. Louis-Antoine Baudin. Et Angélie Duguay. Et le gagnant est Louis-Antoine Baudin. Dans la catégorie Pulsar Fraternity Evergreen High School, les élèves en nomination sont Louis-Antoine Baudin, Rosemary Como, et Angélie Duguay. Le gagnant ou la gagnante est Angélie Duguay. Les prochains prix sont offerts par Courant culturel Rocher-Percé et Family Prix. Dans la catégorie Pulsar complice, les élèves en nomination sont... Tristan Fro. Matt Rael. Et Simon Whittem. Pour poursuivre, les filles dans la catégorie Pulsar complice, Océane Cyr. Annabelle Duguay-Civray. Et Emma Puget. Les gagnants sont Emma Puget et Matt Rael. Il aime faire sourire son entourage et espère devenir agent immobilier. Elle dort 12 heures par nuit et espère quand même devenir médecin. Accueillons de nouveau sur scène Nicolas Traverse et Léane Leblanc pour présenter les plus forts dans la catégorie espoir sportif et ambassadeur sportif. Ces prix sont offerts par Mich Café et Gym Énergie Santé.
Donc, dans la catégorie Pulsar Espoir Sportif, les élèves en nomination sont William André Blais, Félix Marquis, Félix Proux, Laurie Cyr, Juliette Hardy, et Mélodie Parisé. Et les gagnants sont Juliette Hardy et Félix Marquis. Sont offerts par l'usine de congélation de Bleuet de Newport et Rona. Pour poursuivre dans la catégorie ambassadeur sportif, les élèves en nomination sont Olivier Chrétien, Matt Ray, Jean-Philippe Wittom, Chloé Bouchard, Gabriel Fournier, et Marie-Élise Jonca. Les gagnants sont Gabriel Fournier et Jean-Philippe Wittom. Gagnante de la finale régionale secondaire en spectacle dans la catégorie interprétation, elle a le talent de nous faire vivre toutes sortes d'émotions, talent qu'elle a pu partager lors du rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle qui se tenait à Matane le week-end dernier. Accueillons maintenant la talentueuse Amy Christie qui nous interprète les C'est quoi de Pomme. Bonsoir tout le monde. J'aimerais ça prendre une couple de secondes pour dire que demain, il va y avoir un spectacle. Si vous voulez venir, les billets sont vendus à la porte au coût de 6 $. Venez encourager les élèves de l'école, puis j'espère vous voir là. Ce serait vraiment le fun. Dans l'allée des
j'ai respiré en entier pour une fois. Et envoyé 2000 prières au vent pour nous sauver de toutes les peines d'avant. Avant les rires asséchés, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée et entendre les séquoias chanter. Ah, 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 ah. Apprivoiser le silence, la faiblesse de ma foi, et habiter mon propre corps pour la première fois, et en mêler tous les secrets du vent, entremêler la sève épaisse et mon sang, avant les rivières asséchées, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée et entendre séquoias pleurer. Ah. Merci, amis. Accueillons de nouveau sur scène le grand Manitou de notre polyvalente, M. Jasmino. À la bonne place. Donc, de 1983 à 1988, notre président d'honneur a complété son secondaire dans notre école. C'est ici que, comme beaucoup d'entre vous, il a vécu et découvert ses passions. Il ne se doutait certainement pas, en assistant à ses cours de sciences ou de musique ou de français, qu'il allait fonder un jour une entreprise dont il peut être aujourd'hui très, très fier. Je crois que s'il avait su tout ça, ce que l'avenir lui réservait, il aurait certainement eu le vertige. Notre invité a raison quand il dit que le secondaire, c'est là où on se forge notre vision de ce que l'on va faire dans la vie. En effet, qui sait ce que l'avenir vous réserve, chers élèves? Je suis honoré ce soir de vous présenter un ambassadeur de notre région dans le milieu des affaires. Son entreprise rayonne dans la province et dans le monde entier. Veuillez accueillir chaleureusement M. Hugo Saint-Laurent. Bonjour à tous. Très heureux d'être ici ce soir. Je suis allé en passant mon parrain et ma marraine, Mary Sutton et René Saint-Laurent, qui sont ici avec moi. Merci d'être là. Oui.
Ben c'est ça. Moi, j'ai fait mon primaire à l'école Saint-Joseph, le secondaire ici, tous les cours. Ensuite, j'ai fait mon cégep à la Pocatière. Je suis allé jouer au hockey là-bas. J'avais joué ici au hockey avec des gens que j'ai croisés aujourd'hui, Terry Whittam, José Lelièvre. Une belle, belle jeunesse. Ensuite, j'ai fait mon génie chimique à l'Université Laval. Et ensuite, j'aurais pu faire plusieurs choses en génie chimique. Mais moi, je suis allé vers un peu, si on veut, l'entrepreneurship. J'ai démarré ma compagnie, Groupe Silicic. On est maintenant plus de 175 employés. On vend dans 110 pays à travers le monde, avec des bureaux de vente et support technique sur Shanghai en Chine, Paris en France, Bangalore en Inde et Chicago aux États-Unis. On a 5 usines au Québec, une aux îles de la Madeleine qui fait de l'oméga-3 à partir de grottes phoques. On a une usine au Saguenay qui fait des huiles essentielles. On a une usine à Mastoyache avec une famille autochtone où on fait des probiotiques et toute la valorisation des plantes médicinales autochtones. Fait qu'il y a plusieurs branches. Vous allez étudier genre, au cégep, finir la secondaire, travailler. Moi, des fois, je vous dis, gardez tout le temps aussi en tête de partir une business. Ça peut être bien intéressant. On a 2 usines dans la ville de Québec aussi. Puis tout ça à partir d'un cheminement secondaire. Moi, je viens de la rue Little, représentée ce soir par Sébastien Daigneault, que j'ai vu tantôt. Yes! Non, franchement, là, on a une super belle région, une belle ville, un beau coin de pays. C'est magnifique d'avoir la chance de pouvoir étudier à la polyvalente Monseigneur Sévigny. C'est un bon tremplin qui va vous suivre toute votre vie. Les amis que vous faites ici, les collègues de premier secondaire, cinquième secondaire, les parents que vous allez côtoyer aussi, là, c'est important. Au début, on ne les comprend pas trop, là, mais maintenant, on réalise que ces parents-là, c'est aussi nos amis. C'est absolument génial, puis ça nous suit toute notre vie. Moi, à l'usine à Québec, là, j'ai du monde de Newport, de Chandler, de Sainte-Thérèse qui travaille avec nous. Bien, bien, bien heureux. Alors, bravo à tous les nominés, tous les gagnants, les gens de la région, et une bonne fin de soirée. Merci, Hugo. Puis je pense que vous pouvez être fiers, les jeunes, d'être à la polyvalente Monseigneur Sévigny. Vous pouvez voir si vous avez une passion, si vous avez le désir de faire quelque chose, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir arriver à vos fins. Puis pour un gars de Chandler qui travaille dans un domaine très pointu, très scientifique, il tire son épingle du jeu. Fait que je lui dis encore un gros bravo, félicitations, puis de continuer pour avoir encore 150 employés de plus. Peut-être que la sixième usine sera Chandler, on ne sait pas. Avec quelqu'un de vous associé. Invitons maintenant à prendre une pause de 15 minutes. À tout de suite. Ce matin, les élèves en nomination ont eu le droit à un déjeuner pendant lequel ils ont pu s'entretenir avec notre président d'honneur. Ils se sont par la suite dirigés vers le cinéma Paradiso, où ils ont pu avoir deux excellents films. Voir deux excellents films. Pendant ce temps, les autres élèves ont pu déguster une collation offerte par le comité Pulsar. On regarde les photos. On réagit aussi. Wow! T'as mis à l'air bien. Super. La journée avait l'air vraiment le fun. Oui. Attends, peut-être qu'on les cache un peu. On va le cacher. Attends. On cache les gens. Qui a gagné la game de jeu? La game de cartes? Qui a gagné? Je sais pas c'est qui a gagné la game. Je sais pas, ça a l'air vraiment le fun. C'est Roxane. Bravo, Roxane. Ah, OK. Ah, pour vrai? Ils ont déjà montré. Ah, c'était super. Mon Dieu. Ah, ben finalement, notre job était moins long qu'on pensait. Notre job est... Bon.
Allons partir. Fait qu'on va vous laisser, puis bonne chance, Tristan. Merci beaucoup. Bonne chance, Tristan. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Donc, l'homme aux mille talents, il se démarque par son implication et sa créativité. Passionné de son métier, il est la colle qui tient notre gala. Jacques Lévesque. Toujours rêvé de ressembler à Bob Barker avec mon microphone. Donc, mon Dieu, je vois rien. Il y a des gens que je voudrais remercier particulièrement parce que leurs noms ne sont pas dans le programme. Donc, nos présentateurs de prix, les élèves qui ont fait le concours d'oratoire, que je vous demande d'applaudir, font très, très bien ça. Nos trois animateurs, je vous remercie beaucoup. Vous faites très bien ça, vous autres aussi. Nos deux artistes, nos deux Emmy. Il y a une autre Emmy qui s'en vient un peu plus tard, tout à l'heure. Donc, Emmy Christie qui a chanté dans la première partie et Emmy Alain qui va danser pour vous tout à l'heure. Là, le télésouffleur, c'est tellement foncé. Je vais faire ça. D'accord. Alors, ce que j'ai apporté sur la scène, c'est plus de à peu près 3000 billets grand V qui ont été... un billet grand V, ça correspond à une bonne action, à quelque chose, un bon coup qu'un élève a fait dans l'école à partir de février. Et on en a amassé 3000. Ce sont les membres du personnel qui accordent les points grand V. Les élèves doivent les enregistrer dans un site Internet. Et on a offert des prix hebdomadairement, évidemment, toutes les semaines. Ce soir, tous les coupons ramassés depuis février, donc presque 3000 coupons qui sont là-dedans. Et notre site Internet a été vu, parce qu'il y a des gens qui sont allés voir, plus de 8000 fois. Donc, si vous associez une bonne action à un de ces billets-là, ben ça fait de nous une école très heureuse, très agréable. Et on avait dit qu'on ferait tirer des prix. Donc, le premier prix, c'est... Je vois rien en tout. C'est parce que c'est écrit comme en jaune-orange. Alors, c'est 5 certificats cadeaux. Pas 5. 5? OK. Ah, Marie-Vie va changer la couleur. Donc, Marie-Vie va changer la couleur de mon télésouffleur. Ça va être plus facile. Ah! Wow! 5 certificats cadeaux. Merci, Marie-Vie. De 100 $ offerts par le comité du gala. Donc, hey, ça fait beaucoup. Faites pas confiance, viens dans les mains. Oh, il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y en aura d'autres. Ça se peut que c'est des gens qui sont dans la salle. On vous donnera pas le prix ce soir. Donc, c'est des certificats cadeaux. Les élèves pourront choisir dans quel commerce de notre région ils veulent avoir leur cadeau, leur prix. Donc, on va accorder ça. Ça va aller la semaine prochaine, d'accord? Les noms que je nomme. On a d'abord Mathieu Desbois, que je sais qui est en nomination. Félicitations, Mathieu. Reste là, on garde ton nom. Félicitations, Mathieu. On a Alison Sweeney, qui est aussi en nomination, me semble. T'es où, Alison? Bravo, Alison. On a Maëlle Laplante, ça se peut-tu? Y a-t-il une Maëlle Laplante de vos amis qui existe, oui? Super. On a Étienne Goyette, que je sais qui est en nomination. Bravo, Étienne. Et on a Megan Brotherton. Bravo, Megan. Donc, ça, ce sont les 5 prix offerts par le comité du gala. Maintenant, je vais y aller avec 100 $ offerts par la Caisse populaire du Centre-Sud en certificat cadeau. C'est le hasard. Étienne Goyette. Bravo, Étienne. Ben, tu auras un autre prix. Et il nous reste un prix, Marie-Vie, je pense que c'est 150, hein? Ou un autre 100? C'est 150, c'est ça. Il reste un prix. C'est-tu le dernier, Marie-Vie? Merci.
peine de bien mélanger. Dites-moi quand arrêter. Avant de nommer le gagnant, je veux remercier toute l'équipe, la jeune équipe. Il y a beaucoup de monde derrière, donc beaucoup, beaucoup d'élèves participent à la production du gala. Je les remercie sincèrement. Sans eux, ça ne marcherait pas. Et tous les autres techniciens, je nommerai pas personne par peur d'oublier des gens. Et notre gagnante est Laurie Bertrand. Félicitations, Laurie. Donc, ces prix sont offerts par la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien, qu'on remercie, qui est un de nos partenaires privilèges, que vous allez voir à la fin, parce que ce sont eux qui remettent les prix Excellence. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Comme vous le savez probablement, nos deux écoles sont des milieux vivants et dynamiques. Grâce à l'implication des élèves et de l'ensemble du personnel, en temps de pandémie ou non, que ce soit une journée à thème, une expérience scientifique, une célébration ou même un quiz, c'est impossible de s'ennuyer ici. Nous vous invitons à partager avec nous nos moments forts. Voyons donc la vidéo rétrospective de l'année 2021-2022. Emma, pèse sur le piton!
Passons à la suite. Fier de sa vie amoureuse, qu'il qualifie lui-même de trépidante, il se démarque par ses habiletés en classe de français, tout comme sa partenaire de scène, qui a d'ailleurs déjà publié un roman jeunesse. Accueillons de nouveau sur scène Elliot Hardy et Marianne Couture pour lui présenter le plus sort dans la catégorie Ovation. Ces prix sont offerts par la ville de Chandler et le collectif Action Jeunesse. Hi, ladies. Bon, reviens-y tout le monde. Maintenant, on va passer au prix Ovation. Dans la catégorie plus sort Ovation secondaire 1, les nominés sont... Alexandre Beaufré. Marc-Antoine Lambert. Et Brendan Pro. Le gagnant est Alexandre Beaupré. Pour suivre avec la catégorie Ovation secondaire 2, les élèves en nomination sont Caitlin Baudin, Justine Pouliot et Nathan Villeneuve. Le gagnant ou la gagnante est Justine Pouliot. Ovation secondaire 3. Les nominés sont Sébastien Beaupré, Émilie Couture et Alison Sweeney. Où la gagnante est Émilie Couture. On va poursuivre avec la catégorie Ovation secondaire 4. Les élèves en nomination sont... Simon Anglehart, Tommy Aubu, et Mathieu Desbois. Le gagnant est Tommy Aubu. Il est malheureusement pas là. On va faire sûr d'y remettre son trophée en temps et lieu. Les prochains prix sont offerts par Gaspésie Nouvelle et Leblanc Service d'apprentissage.
d'arpentage géométrique. Okay. Dans la catégorie Pulsar Ovation secondaire 5, les élèves en nomination sont Camille Blais. C'est les audacieux. Je pensais que ça allait être un autre. Bon, désolé pour un petit problème technique. Dans la catégorie Pulsar Ovation pour les audacieux, les élèves en nomination sont. Non, mais là! Je veux vous dire que ça a l'air facile quand on passe les petites vidéos, là, mais il y en a plus de 150 petites vidéos. Fait que je vous demande d'applaudir encore nos présentateurs de trophées. Et le gagnant est... Samuel Lavoie. Bon, et maintenant, dans la catégorie Pulsar Ovation pour les audacieux, les élèves en nomination sont Nathan Bugeaud-Albert, Marc Cotonnier-Laplante, et Kevin Sutton. Le gagnant est Nathan Bugeaud-Albert. Poser une petite question. Est-ce que ça va pour l'instant? Ça va-tu bien? Yes, sir. Je sais pas si vous le saviez, mais tous les trophées remis ce soir ont été fabriqués ici même par nos élèves minutieux de la formation préparatoire au travail. En voici une petite vidéo qui va bien résumer. Donc, l'une veut devenir traductrice et l'autre sait qu'elle travaillera probablement dans le domaine des sciences.
Accueillons encore une fois Emma Puget et Maïka Oulad-Lavki pour présenter les pulsars dans la catégorie académique de secondaire 1 à 3. Ces prix sont offerts par l'ADJ de Newport. Tu le dis, puis je j'embarque après. Mais après, vas-y, dès qu'il y a ça, tu dis ça. Je dis quoi? Tu dis les nominés sont, parce que c'est les gars en premier. Non, mais tu dis pas là. Ah, oui. Dans la pulsar secondaire 1, les nominés sont... C'est moi, les gars. Vincent Caron. Ézéchiel Etu. Jordan Roussy. Pour les filles, Adélaïde Albert. Émilie Couture. Et Maëva Giroux-Duguay. Les gagnants sont Maëva Giroux-Duguay et Vincent Caron. Offert par l'avocat Yves Desbiens. Dans les pulsars académiques secondaire 2, les élèves en nomination sont Mathis Alain, Loujan Ouellet Pietso. Et Thomas Puget. Pour les filles, il y a Mo Johnson. Adama Marika Langlois. Et Chinsy Lebreu. Gagnants sont Maud Johnson et Thomas Puget. Dans la catégorie académique secondaire 3, les élèves en nomination sont Thomas Fro, Raphaël Grenier, et Nathan Roussy. Pour les filles, il y a Léa Croteau. Océane Cyr. Et Josie Sears. Les gagnants sont
Josie Sears et Nathan Roussy. La suite à Elliot et Nico. Alors, bonne fin de soirée. Donc, comme ils l'ont dit, ils sont tous deux de grands sportifs et il semblerait qu'ils ne sont pas trop mauvais au hockey. Accueillons de nouveau Elliot Hardy et Nicolas Traverse pour présenter les plus forts dans la catégorie académique secondaire 4 et 5, ainsi que pour Evergreen High School. Bon. Les prix suivants sont offerts par Chevalier de Colombe de Chandler, conseil 3261. Bon, Elliot, enfin deux beaux hommes ensemble. Attends, on recommence. Attends. Bon. Ah ouais, c'est à toi. Dans la catégorie Pulsar Académique secondaire 4, les élèves en nomination sont Mike Kevin Bruno, Charles Chrétien. Et Olivier Chrétien. Du côté des filles maintenant, Virginie Chapado, Maxime Grenier, et Léane Leblanc. Les gagnants-gagnantes sont Léane Leblanc et Olivier Chrétien. Sont offerts par le club des Lions de Pabo. Bon, dans la catégorie académique secondaire 5, filles et garçons, les élèves en nomination sont Tristan Fro, Simon Lantin, et Jean-Philippe Wittum. Et pour les filles maintenant, Julianne Grant, Maggie Johnson, et pour finir, Marie-Élise Jonca. Et les gagnants sont Maggie Johnson et Jean-Philippe Wittum. Thank you.
Et maintenant, pour les pulsars académiques Evergreen High School. Les élèves en nomination sont Rose-Marie Como, Angélie Duguay, et Nathalie Robert. La gagnante est Angélie Duguay. Dans la catégorie création lors de la finale régionale de secondaire en spectacle, cet artiste se démarque par son habileté à raconter une histoire à travers le mouvement. Ce qu'elle a, elle aussi, pu faire lors du rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle, qui, rappelons-le, se tenait à Matane le week-end dernier. Accueillons maintenant Amy Alain, qui nous présente un numéro de danse sur Papa Outé. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Bien, merci, Amy. Nous voilà arrivés à la présentation des 4 prix les plus convoités de la soirée, les plus sorts excellence. Ces prix prestigieux se distinguent en 2 catégories, soit l'étoile montante et Pulsar de l'année. Accueillons Mme Louise David, enseignante et membre du conseil administratif de la Caisse populaire des Jardins du Centre Sud Gaspésien, ainsi que Jasmine Haut et le M. Hugo Saint-Laurent pour la remise des prix Pulsar Excellence. C'est la Caisse populaire des Jardins du Centre Sud Gaspésien qui offre ces prix. Donc, dans la catégorie étoile montante, les élèves en nomination sont Mathis Alain, Samuel Blais, et Félix Roux, les filles. Et pour les filles, Laurie Cyr, Juliette Hardy et Adama Marika Langlois. Et le grand gagnant ou la grande gagnante est... Oups. Félix Proulx et Laurie Cyr. On s'est fait dire qu'on allait trop vite. Bon. On va tous se rendre à la retraite un jour. Oui. Hein, Louise? Donc, dans la catégorie Pulsar de l'année, les élèves en nomination sont Tristan Fraud, Jean-Philippe Whittom, et Simon Whittom. Les filles, Annabelle Duguay-Civray, Gabrielle Fournier et Maggie Johnson. Et le grand gagnant, la grande gagnante sont Annabelle Duguay-Civray et Tristan Fraud. Voilà qui met fin à notre 23e Gala Pulsar. Félicitations à tous les élèves qui ont participé à ce grand événement. Merci d'être venus encourager les... Merci de les avoir venus les encourager et à préserver la... dans la voie de la réussite. Pardon, désolé. Le Gala Pulsar de la polyvalente Monseigneur Sévigné de Chandler était une présentation de la pharmacie Jean Coutu, Michel et Terry Whittom de Chandler.